بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، الحمد لله. On continue nos دروس et le شرح de l'explication du livre المقدمات السنوسية du شيخ Abi Abdillah Sanusi dans le Ilm al-Aqida, 8 introductions sur le Ulum de l'Aqida qu'on pourrait appeler Ilm al-Kalam. Je précise que Ilm al-Kalam, la définition c'est al-Difa' an al-Aqaid al-Islamiyya. Donc c'est le fait de défendre salam alaykoum Youssouf, c'est le fait de défendre le dogme islamique avec des arguments de la logique. Et justement ici sur YouTube, il y a un ami qui est Mu'tazili, et justement pour être juste, les Mu'tazila, ils ont fait un bon travail au départ quand il s'agissait de défendre le dogme islamique justement face à tous les autres courants, les philosophes et toutes les autres religions et tous les autres, ben justement les indites et les ennemis de l'islam qui essayent de faire douter les gens sur leur religion. Eh bien, on ne pouvait pas se contenter de dire à des gens qui ne croient pas au Coran. Donc, les versets du Coran, il fallait les exprimer avec leur langage à eux, tout simplement. D'accord? Si tu dis à quelqu'un, voilà, Allah, il existe, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Coran. Eh bien, ça ne suffit pas. C'est bien pour un croyant, mais pour quelqu'un qui ne croit pas, ça ne suffit pas. Et même pour un croyant, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé des arguments qui s'adressent à la logique. D'accord? Il y en a beaucoup. D'accord? Par exemple, l'impossibilité qu'il y ait une deuxième divinité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Law kana fihima alihatun illallahu la fasadata ». S'il y avait une deuxième divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le monde ne serait pas en ordre et cohérent et comme on le voit aujourd'hui. Ce serait le désordre total. D'accord? Et dans un autre verset, Allah il dit وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقْ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. S'il y avait une deuxième divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé, wala ala ba'dhum ala ba'd, et une divinité serait plus grande que l'autre automatiquement. Une divinité sera plus grande que l'autre. Donc voilà, donc c'est pas possible. Donc bref, mais les Mu'tazila, ce qu'on leur reproche, c'est qu'après ils ont gardé des principes de la logique et ils les ont mis au-dessus des textes sur certains points, notamment sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, les textes sont clairs, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas envie d'utiliser ce mot clair parce que c'est un mot que tout le monde aime bien dire. Dans les ilms, il n'y a rien de clair. Et Annie, on n'a pas dit que le commun des mortels, tout le commun des mortels doit être parmi les ulama. Parce que les gens, ils veulent des choses simples. Ah, mais les sahaba, leur aqidah, elle était simple, etc. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les sahaba étaient très, 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 très intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils n'écrivaient pas qu'ils ne sont pas intelligents. Je le répète, je l'ai déjà dit, je pense, et vous serez tous d'accord avec moi, pour dire que Omar ibn Khattab, Ali, Ali Salam, les Sahaba, le prophète Mohammed Salam, étaient bien plus intelligents que Platon. Vrai ou faux? Donc, Platon était plus intelligent que Omar ibn Khattab, ou plus intelligent que Ali, radiallahu anhu, ou plus intelligent que Mu'adh ibn Jabal, plus intelligent que Ibn Abbas? Je ne pense pas. Il était bien plus intelligent qu'eux. D'accord?
au niveau du aql. Il suffit d'étudier les hadiths, voir les conversations qu'ils avaient, Khalid ibn Walid, etc. Et surtout Muawiya, par exemple, très intelligent, Amr ibn al-As, d'accord? Voilà, sans rentrer dans certains sujets, mais au niveau de l'intelligence, on les appelait Dahiyatul Arab. C'était les plus intelligents parmi les Arabes, Muawiya, Amr ibn al-As, etc. Donc ils étaient très intelligents. Donc il ne faut pas croire que, voilà, la logique, ils l'avaient. Et ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montraient que, ils avaient beaucoup d'intelligence. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette da'wa qui consiste à dire, ah, il ne faut pas utiliser la raison. Oui, subhanallah, c'est quoi le but en fait derrière ça? D'accord? Mais les Mu'tazila, en fait, ils ont mis les règles de la logique au-dessus de certains textes, et c'est ce qu'on leur reproche, notamment sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, les Asha'ira, eh bien, on confirme ce texte. Comme quoi, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir ça après. Aujourd'hui, on va parler de sifat al-ilm. Donc, on va parler de sifat al-basar, la vision. Donc, on va dire, kullu mawjoudun yasihu an yura. Tout ce qui existe, eh ben, on peut potentiellement le voir, mais avec des précisions qu'il faut qu'on voit Allah azawajal, mais pas dans une direction, wabidun ihata. D'accord? Et donc, ce n'est pas nécessairement avec les yeux qu'on connaît. On voit, en gros, on pourrait dire, comme quelqu'un qui dort, d'accord? Quelqu'un qui dort qui a les yeux fermés, pourtant il voit des choses. Est-ce que vous comprenez? Et quand on dort, d'ailleurs, dans le Coran, Allah il dit, وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. C'est comme ça que dans la sourate Kahf, Allah exprime le sommeil. C'est-à-dire que tes oreilles n'entendent plus. Quand quelqu'un dort, tu dis, Abou Muslim, Abou Muslim. Il t'entend plus parce que c'est Allah a frappé, tu n'entends plus ce qui est à l'extérieur. Mais pourtant, dans ton rêve, tu entends des choses. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on va voir que dans le Sama, Nasma kulla mawjoud, on entend tout ce qui existe, pas seulement ce qui est audible. Parce que ce qui est audible, c'est des lettres, des sons, etc. Mais ce qui existe est plus large que les lettres et les sons. D'accord? Donc, ça, c'est juste une petite introduction pour mon frère Youssouf Mu'tazili. Et les autres, wahhabo-taymistes, qui ne font pas la différence entre un Mu'tazili et un Ash'ari, alors qu'entre nous, on a beaucoup de divergences. J'ai envie de dire, c'est de la pauvreté scientifique qui fait que bon, bah, on va essayer de dévoiler tout ça au fur et à mesure de nos cours. Donc, aujourd'hui, on va parler de Sifat al-Ilm, d'accord, dans Muqaddimat. Donc, je vais vous lire d'abord des notes que j'ai prises par rapport à l'explication de Sheikh Jamal, Farouk Jamal Ad-Daqqaq. Je conseille vraiment à tous les arabophones de suivre ce Sheikh-là au niveau de la Aqida Ash'ariya. Il est vraiment très, 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 très fort. Et vraiment, je le recommande, recommandé par Sheikh Dr. Yousri. Et vraiment, à notre époque, c'est vraiment celui qui veut apprendre la Aqidah Ash'ariyya, c'est vraiment vers lui qu'il doit se tourner, bi'iznillah. Et je voudrais faire aussi une sorte de rappel. Vous savez bien que j'aime bien faire des petites introductions. C'est que vraiment, ça va faire là 10 jours que je suis revenu en France. On peut dire après 3 ans. On peut dire ça. J'étais revenu il y a 6 mois, mais pour 20 jours. Mais on peut dire que j'ai quitté la France depuis très longtemps. Et franchement, quand je reviens ici, je voudrais vous faire part de ce que je ressens. C'est que vraiment, 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 on doit chercher à fuir et à chercher l'environnement qui nous convient. Wallahi. On doit chercher l'environnement qui nous convient. Et même quand on va en Égypte, l'Égypte, il y a plusieurs choses à faire là-bas. Mais quand on est en Égypte aussi, il faut chercher l'environnement qui nous convient. Et je vous conseille vraiment de vous approcher des cheikhs de l'Azhar. Donc, Cheikh Jamel Farouk, Daqqaq, Cheikh Dr. Yousri. Et tous les cheikhs de l'Azhar, ceux qui sont dans un endroit qui s'appelle Madiafa Cheikh Al-Adawi. Donc, c'est un endroit, en fait, c'est une salle qui est juste à côté de l'université de l'Azhar, dans laquelle il y a des dourous du matin jusqu'au soir. Donc, à votre choix, avec des cheikhs de l'Azhar. La plupart, voilà, des Ash'ari, soufis, avec touche des chaînes de transmission, etc., dans tout ce qu'ils enseignent.
et à la mosquée de l'Azhar. Bref, ils sont là, ils donnent leurs cours à différents endroits gratuitement. Vraiment, 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 je recommande à tout le monde, c'est vraiment un conseil, allez-y. Mais par contre, évitez de venir me voir, je ne suis pas une agence de voyage, etc. Débrouillez-vous, allez voir avec ceux que vous connaissez sur place et allez-y. Et je plaisante, hein. Si vous voulez des renseignements, parlez-moi en privé et j'essaye de vous renseigner, inshallah ta'ala. D'accord, ça marche, inshallah. Non. Ça, c'est vraiment la chose que je voudrais dire. Parce que là, on est en France. Des fois, tu te dis, mais tu vas aller étudier chez qui, en fait? On fait quoi en France, en fait? Et il y a pas des personnes où tu te dis, voilà, celui, c'est un vrai alim, je vais aller le voir, etc. Mais il y en a. D'accord? Cheikh Abdullah Taparo, Abdullah Penaud sur Lyon. On en reparlera parce que je ne connais pas trop, je connais pas trop les frères en France, vraiment, chez qui on peut apprendre. Mais voilà, tant qu'ils sont dans l'enseignement traditionnel Ash'ari, qu'ils enseignent un madhhab avec une chaîne de transmission, ou soit ceux qui sont dans un touloukh soufi, mais des gens d'ilm, vraiment, c'est ce que je conseille. Ou je conseille aussi d'aller avec les gens de Tablir, ceux qui sont déjà Tablir, mais qui ne le font plus par paresse, allez-y les gars. Il y a un ijtimaa d'ailleurs le 2 juillet à Dreux, bon, je pense que vous le savez, il faut y aller. Là, c'est le moment de sortir 40 jours, etc. Même Cheikh Yousri qui a... On pourrait faire des reproches aux gens du Tablir, mais le reproche, c'est les gens... Il y en a des qui sont ignorants, quoi. Ils font des erreurs, voilà, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. On va pas, subhanallah, tout le monde ne peut pas être un alim, etc. C'est pas sur ça qu'il faut juger. Mais ceux qui sont à la tête du mouvement, on va dire, en tout cas, parmi les gens du Tablir, il y a des ulama et il y a des salihin, des vrais gens pieux. Donc, personnellement, moi, je suis plus à l'aise, en fait, à faire un khourouj de 40 jours avec des bons frères. Là, vraiment, wallah, vous allez... Franchement, là, je suis en train de vous dire quelque chose de concret, en fait. Là, ce n'est pas du blabla, oui, nanani, nanana, non. Tu sors un bon 40 jours avec des gens, mashallah, wallah, tu vas profiter dans ta religion. Tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Ou alors, en France, je ne sais pas, mais Touloukh Soufia, le problème, c'est que dans le Touloukh Soufia, tu es quand même beaucoup livré à toi-même. C'est-à-dire que tu dois faire tes askars toi-même, yani, tout seul dans ton coin, et tu es un peu isolé, en fait, tu vois. Alors qu'à travers le Khourouj, tu n'es pas isolé, tu es au milieu de frères. Voilà. Donc voilà, on reprend, hein, histoire de... J'ai voulu faire cette petite introduction, histoire que le dars ne soit pas trop sec. Maintenant, on rentre dans les ilm. On nous dit, alors, le ilm, on va prendre juste le texte, hein. Comme vous savez, le plus important, désolé, je n'ai pas le PDF, mais le plus important, c'est le texte en premier lieu qu'on doit étudier lorsqu'on étudie. Je répète, une fois qu'on a étudié le texte, ensuite, on regarde le charh. Mais il ne faut pas brûler les étapes. D'abord le texte, ensuite le charh. D'accord? Donc le texte, il nous dit quoi? Voilà tout ce qu'on a à retenir aujourd'hui. Al-hayatu, sifatun, yasihu, ah, ouais, non, yasihu, mimman, qamat bihi al-idrak. Voilà ce qu'on doit retenir. C'est que si on vous demande l'attribut d'Allah Azzawajal qui est al-hayat, Al-Hayat, comment on décrit? Et je répète, donc, je n'ai pas encore révisé ce dont je vous avais parlé par rapport au hudoud, c'est-à-dire les ta'rifat dans la science de mantiq. Qu'est-ce qu'on appelle al-ta'rif bil jins, al-ta'rif bil rasm, d'accord? Mais Allah Azzawajal, on ne peut pas le décrire avec le jins. Parce que le jins, en dessous, il y a ce qu'on appelle des fasl. C'est-à-dire quoi? L'être humain est un animal qui réfléchit ou un animal qui parle. Donc, l'animal, nous, en tant qu'être humain, on est tous des animaux. Jins, c'est un jins, c'est un genre. Et en dessous de ce genre, il y a des fossoules. Il y a des fossoules, donc il y a les mammifères, il y a les invertébrés, etc. Il y a différentes sortes d'animaux. Mais Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le décrire, ce n'est pas un jins.
Genre, Allah, c'est la divinité, et puis il y a des divinités A, divinité B, c'est pas possible. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit le premier attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, la classification des attributs, il y a sifat nafsiya qui est yani al-mawjoud, celui qui existe. Et en réalité, il n'y a pas de fusoul, il n'y a pas de existant humain, existant animaux, existant djinn. En réalité, al-mawjoud, celui qui existe par excellence, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous, on a une existence qui est, on pourrait donner l'exemple du nombre. Une ombre, elle existe, c'est vrai. Mais l'ombre n'existe que par al-mu'assir, qui est ben, l'objet de qui elle est l'ombre, avec l'effet du soleil dessus. D'accord? Mais sans, s'il n'y a pas notre ombre, c'est qui, c'est quoi? Subhanallah. Notre ombre, elle n'existe que si nous, on existe. Tu vois? Mais subhanallah, même ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a laja'alahu sakina thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira. Allahu Akbar. C'est vraiment du tawhid pur, pur, pur. Vous n'êtes même pas prêt. Parce que l'ombre, nous, on croit que c'est comme ça. Il y a la lumière, il y a l'ombre. L'ombre se déplace en fonction du déplacement de la lumière par rapport au corps. Mais Allah nous dit que même ça, Allah il dit, ne voyez-vous pas comment je fais étendre l'ombre? Si je voulais, j'aurais fait que l'ombre reste statique. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous laisse seulement. Ça, c'est à la fin de sourate Furqan. Voilà où Sha Allah ja'alahu sakina. Ensuite, il a fait le soleil, c'est, comment on dit, une sorte de preuve de l'existence de l'ombre. Ensuite, Allah, il attribue à lui-même le fait qui fait revenir cette ombre. Donc, l'ombre s'étend en fonction de la position du soleil et elle se rétrécit en fonction de la position du soleil, mais le soleil, c'est quoi? Il n'y a pas de ta'thir, on verra tout ça en fait. Excusez-moi, je pars dans tous les sens, mais al-ta'thir, mes frères et mes sœurs, ne vient que d'Allah. Wal-fi'lu wa ta'thiru laysa illa lil-wahid al-qahhar jalla wa ala, comme dit Cheikh Ad-Dirdir. Chaque effet qu'il y a sur chaque chose ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, on continue. Donc, notre existence n'est une existence par procuration. C'est pour ça qu'on parle de Wahdat al-Wujud, mais en vérité, c'est Wahdat al-Mawjud ala al-Haqiqa. Le seul qui existe vraiment, c'est Allah. Notre existence est une fausse existence. C'est une existence que de nom. Et pareil pour tous les attributs, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la définition, c'est que Mimbab al-Rusul. Hayawan, ça, c'est Jins. Mais pour Allah, on ne peut pas. Mais Rusul, c'est vraiment la chose qui définit la chose. Natiq. Donc, et je voudrais préciser aussi que la aqida qu'on est en train d'enseigner, contrairement à ce que certains croient, elle provient directement du prophète alayhi. On a prouvé hier que les ta'wil, les sahaba le faisaient et les imams comme l'imam Ahmed, l'imam Malik en ont fait, etc. Le Hassan al-Basri en ont fait. Donc, ce n'est pas une aqida qui vient de nulle part, d'accord? Elle est avec une chaîne de transmission jusqu'à nos jours. Et que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut nécessairement avoir un dogme correct. Donc, écoutez bien la définition. Sifatun yasihu. On a expliqué hier ce que c'est sifa, d'accord? On ne va pas revenir là-dessus. On a dit sifa, c'est une chose par laquelle on peut décrire tout. Toute la chose qu'on décrit, d'accord, et que c'est chaque attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala est stable, obligatoire et de toute éternité. Stable, obligatoire, yani, obligatoire pour nous de croire que cet attribut est yani, en Allah subhanahu wa ta'ala de toute éternité, sans début, d'accord, qui tient par lui-même,
Et nous, on a une vie qui tient par, elle tient pas par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui décidons si on vit ou on ne vit pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut tout de suite, il enlève mon âme, qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrais rien faire, c'est Allah qui décide. Mais Allah azawajal, il est al-hayy. Et personne ne peut. Et Annie, Allah est éternel. Sifatun, yasihu mimman qamat bihi l'idrak. Donc en fait, là, l'attribut de la vie, il est spécifique parce que l'attribut de la vie, el hayat, en fait, on peut dire c'est shartun aqli, c'est une condition de la logique pour tous les autres attributs. C'est-à-dire que tous les autres attributs de sept attributs ma'ani qu'on a vu, el-ilm, qu'on va voir, el-sam' ou el-basar, on a vu el-qudra ou el-irada, bah justement, il y a d'autres définitions à la place de idrak. Et Ani, sans l'attribut de la vie, bah, il n'y a pas d'idrak. On n'a pas encore parlé d'idrak. Il y a un ikhtilaf. Est-ce qu'on attribue à Allah l'attribut de idrak, c'est-à-dire la perception? Mais en tout cas, on attribue el-sam' ou el-basar et on attribue el-qudra ou l'irada, mais sans, si Allah n'est pas vivant, ben, il n'y a pas de qudra, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de volonté. Donc c'est ça. Sifatun yasihu mimman qamat bihi al-idrak. Ça veut dire que toute chose qui a une perception, automatiquement, elle a la vie. Mais au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire. D'accord? Pour nous de croire. C'est-à-dire que c'est un attribut obligatoire. Alors que pour nous, les humains, les attributs, ils sont jaiz. Notre vie, elle était éventuelle. On n'était pas obligé d'exister. Contrairement à ce que disent les philosophes, que le monde existe de toute éternité, que comme si Allah était obligé de nous créer. Non, Allah n'était pas obligé de nous créer. D'accord? On existe parce que Allah a voulu qu'on existe. Allah n'avait pas besoin de nous. D'accord? Donc, on dit yasihu mimman qamat bihi l'idrak, ça veut dire que, ou alors tusahihu, l'attribut de la vie, c'est une condition pour les autres attributs. D'accord? Et par rapport à Idrak, donc il y a un khilaf, est-ce qu'on attribue, donc il y aurait sept attributs ma'ani ou huit pour ceux qui disent qu'il y a l'Idrak. Il y a un khilaf, certains disent qu'on ne dit pas, certains disent qu'on peut dire, et certains disent qu'on ne se prononce pas, ni oui ni non, et c'est ça qui est choisi, c'est ça al-Mukhtar, et al-Tawakkuf. Mais pourtant, Allah Azzawajal dit, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikuhu al-absar. Yani, les yeux ne peuvent pas atteindre Allah Azzawajal, mais Allah, lui, il perçoit toutes les créatures. Mais l'idrak, ça comprend al-sam' ou al-basar, et l'ilm, parce qu'on va voir que al-sam' ou al-basar, en réalité, c'est contenu dans l'ilm. Donc, s'il n'y avait pas les textes qui nous disent que Allah est Samir, Basir, qu'il entend et qu'il voit, on n'aurait pas pu le déterminer. Mais comme le texte le dit, donc on le détermine. Ou Samir ou Basir, contrairement aux Mu'tazila, qui ne disent pas As-Sam' ou Al-Basar. Ils disent Allah est Samir, Bidouni, Sam' ou Basir, Bidouni, il y a Sifat Basar. D'accord? Donc, on va voir que qui dit Samir Basir dit Alim, d'accord? Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à Idrak? Bref, on ne se prononce pas, mais Wahuwa Yudrikul Absar. Mais ça comporte aussi, parce que ça, pourquoi on dit, certains rajoutent Idrak? Parce qu'il y a aussi El-Mashmoumat, ce que on peut sentir, ce qu'on peut toucher. Mais nous, comme les textes n'ont pas parlé qu'Allah touche ou Allah sent, donc on ne donne pas ces attributs-là. Mais une odeur, qu'est-ce qu'on va dire? Une bonne odeur, comment Allah il la perçoit? Il ne va pas la percevoir avec le sam, il ne va pas la percevoir avec les yeux, mais une odeur, ça se perçoit bien sûr, mais que ce soit sam ou le basar, ben, ce n'est pas avec un globule oculaire. Allah Azzawajal n'a pas besoin d'avoir un œil pour voir, ni même une oreille pour entendre, même s'il y a un texte qui parle d'œil. Mais là, par contre, on va vers le ta'wil comme le faisaient les sahaba. On continue donc. Les maturidiyya, eux, ils
ils attribuent à Allah Azzawajal l'attribut de idrak, mais en tant que sifat, comment ils appellent ça? Sifat takwin. C'est quelque chose en plus comme ça. Comme El Jalal, comme Jalal wal Ikram, etc. Ensuite, non. Donc ici, quand l'imam Sanoussi il a dit Mimman qamat bihi l'idrak, certains parmi ceux qui sont venus après lui ont fait comme des reproches, dire mais pourquoi il a dit l'idrak? Parce que ce qui est retenu dans l'école, c'est qu'on n'attribue pas à Allah Azzawajal le idrak. Mais ici, cette objection, elle est pas la bienvenue, parce qu'en fait, Allah Azzawajal, l'imam Sanoussi a parlé, Mimman qamat bihi l'idrak, il veut dire par cela. Donc le ilm, wa sam' wa al-basar, etc. Non, wa al-qudra wa al-irada. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cette définition. Mais comme on avait dit précédemment, les gens qui viennent, les générations après les ulama, ils ramènent toujours, ils relèvent des problématiques, et c'est ça qui bonifie l'école. D'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois je finis pas mes phrases. La première chose, on maîtrise le texte. Ensuite, on apprend l'explication. Et dans un troisième temps, il y a ce qu'on appelle el-hawashi, el-hashiya, c'est-à-dire l'explication de l'explication. Mais celui qui commence et qui apprend directement en apprenant les hawashi, comme dit l'expression arabe, man ta'allama fil hawashi ma hawashi ma hawashi. Celui qui commence son apprentissage en lisant les explications des explications, il va rien avoir comme ilm dans sa tête. Il faut commencer par le commencement, comme on dit chez nous. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va après avoir un ilm bien rempli. Comme les muscles, je parlais tout à l'heure avec mes frères. Moi, j'ai un grand frère d'ailleurs, je fais de la pub, c'est le coach Orange, et qui est coach sportif. Et il nous explique que même le muscle, quand tu le fais, si tu muscles correctement, tu ne fais pas de la gonflette, eh ben, tu remplis peut-être beaucoup plus lentement ton muscle, mais de manière beaucoup plus solide et durable, plutôt que de faire de la gonflette. Tu vois? Et celui qui apprend les hawashi, en fait, c'est de la gonflette. Tu vois? Quand tu l'écoutes parler, tu vois, il voit, ah, mashallah, il connaît des trucs bien précis, mais des fois, sur les bases, il connaît rien du tout. Donc, c'est de la gonflette théologique. Donc, il faut commencer par petit. Tu travailles bien ton muscle, Charles. Ensuite, dans Sourah, vous savez que Sanoussi, c'est un ensemble de livres qu'il a fait par niveau. Et dans un livre de débutant, il a dit, bah, c'est impossible que Allah, enfin, l'attribut de ilm, etc., les autres attributs, commence par l'attribut de Hayat. D'accord? Alors, il y a une problématique qu'il a ramenée. Si on prend cette définition, comment on va comprendre que le tronc d'un arbre a pleuré lorsque le prophète a pris un minbar, que des pierres ont invoqué Allah Azzawajal dans les mains du prophète, etc. Les montagnes, Allah Azzawajal a attribué aux montagnes le fait que. Si le Coran leur avait été révélé, Allah Azzawajal attribue que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous, on dit dans notre langage que la montagne, en arabe, on appelle ça jamadat. Ce n'est pas un être vivant, en fait, hein, même en biologie. Parce que la biologie, en fait, comme je vous avais dit une fois, quand tu étudies la aqida, qu'après tu étudies la biologie, ça fait un choc, mais c'est important. Parce que dans la aqida, tu apprends que c'est Allah qui fait toute chose. Mais quand tu apprends la biologie, tu es en plein dans les causes. Ouais, ça donne ça. Ça, c'est la cause de ça. Le pollen qui va, ça féconde un tel. La reproduction, ça, quand les spermatozoïdes font dans l'ovule. Donc ça, c'est que des causes et des effets. Et en fait, la vie, c'est ça. C'est que des causes et des effets. Et c'est ça l'épreuve de notre monde, de notre vie, c'est de vivre. Purée, ça n'enregistre pas, c'est une catastrophe. Désolé. Allahu Akbar. Non. Donc, je disais donc que, bref, on est dans les causes. Donc, quand on dit dans notre langage habituel, même quand on dit hayawanun natiq, l'être humain est un animal qui parle. Mais est-ce que ça veut dire que les animaux ne parlent pas et qu'il n'y a que l'être humain qui parle? Alors qu'Allah Azzawajal nous dit
Suleiman, ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. Hein, سليمان عليه السلام, on lui a appris le langage, منطق الطير, le langage des animaux. Et juste après, salam alaikum à tout le monde. Hatta iza. Et subhanallah, le Coran, je suis en train d'oublier. إذا أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسمت ضاحكا من قولها. Donc, lorsqu'il est arrivé à une vallée où il y avait des fourmis, il y a une fourmi qui a dit: Oh les fourmis, rentrez dans vos demeures de peur que Suleyman ne vous écrase avec ses pieds, donc, et sans qu'ils se rendent compte. Et ensuite, Suleyman a souri min qawliha, de sa parole qu'il a entendue et comprise de cette fourmi. Donc, par rapport à ça, est-ce que donc on va dire que tous ces éléments ont une vie ou pas? Alors, certains te disent oui, ok, alors peut-être que Allah va créer de la vie dans ces choses. À la Sabine, kharq al-ada, dans le sens où ça est comme une sorte de miracle. Mais quand on dit miracle, le mot kharq al-ada, ça veut dire que c'est l'habitude, c'est la chose habituelle qui a dérogé. Ce n'est pas normal. Une fourmi qui parle, ça ne nous paraît pas normal. Mais ce n'est pas kharq al-aql. Ce n'est pas une dérogation du aql, parce que dérogation du aql, c'est impossible. Tout ce qui est ma'qul, ça ne peut pas déroger. D'accord? Donc, quand on dit que al-hayat shartun aqli lil-idrak, que la vie donc c'est une condition selon la logique de l'idrak. Personne ne peut voir, entendre, parler sans avoir la vie. Donc, ça veut dire que bah, tout simplement Allah Azzawajal, en fait, on dit pas, en fait, c'est un abus de langage de dire que les pierres et les montagnes ne sont pas des êtres vivants. Non, on dit ils sont vivants. Laysat ma'dumat al-hayat, walakin laha hayat la nudrikuha. Ils ont une vie que nous, on ne comprend pas, on ne cerne pas, on ne discerne pas. Quand dans, les pierres ont glorifié Allah Azzawajal dans la main du prophète, la seule différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu. Alors que dans les mains des autres, bah, tu ne l'entends pas. Toi, tu prends une pierre dans ta main, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Or, comme Allah il a dit, subhanallah, قل لو كان معه سبحان الله قل لو كان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. S'il y avait une autre divinité en dehors d'Allah, eh ben, ils auraient cherché le chemin qui les mène à celui qui possède le trône. Vous avez vu? Il a ذي العرش. Et ذي العرش, ça pourrait être mais dans d'autres versets, sahibul arsh, celui qui possède le trône. Donc, istawa et sahibul arsh, en fait, c'est la même chose. Celui qui possède le trône ou celui qui est établi sur le trône, c'est deux phrases qui sont identiques. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Ensuite, Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Gloire et pureté à lui, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ce qu'ils disent. D'une grande élévation. Subhanahu wa ta'ala, amma yaquluna 'uluwan kabira. Donc Allah, il est au-dessus de ce qu'on dit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est encore une fois, c'est pas une hauteur bizat, c'est une hauteur il est au-dessus de ce qu'on dit, ça veut dire qu'il est yani, bien plus que ce qu'on dit et bien plus que ce qu'on s'imagine. Et Allah Azzawajal, en fait, il a, comme il dit Cheikh Yousri, ah, subhanallah. Mais en fait, il a même ceux qui prétendent, même nous les Asha'ira, en fait, qui prétendons exempter Allah de tout manque, même nous, on n'y est pas du tout. D'accord? On n'y est pas du tout. C'est ça le sens. Amma yaquluna, yani fawqa tanzih al-munazzihin. Allah, il est même au-dessus de ceux qui prétendent
exempter Allah Azzawajal de tout manque, Allah il est même encore plus au-dessus de ce que, de ce qu'ils disent. Amma yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ard wa man fihinna, les cieux et la terre, tusabbihu lahu as-samawati wal-ard, tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u, les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a entre les deux glorifie Allah Azzawajal. Wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Les noms sont importants. Et il n'y a pas une chose parmi les créatures que que nous voyons qui glorifie Allah. Même ce micro, même ce cahier, toute chose. Qu'est-ce qu'il y a? Même ce micro, il est créé par Allah Azzawajal. Par Allah, pas par Rod. Par Allah, ce cahier, il est créé par Allah, etc. Et toute chose glorifie Allah Azzawajal. Walakin la tafqahuna tasbihahum. On ne comprend pas leur tasbih. Innahu kana haliman ghafura. Le mot halim, il est lié à quelque chose de secret, de discret. Hein? Comme Allah il dit, haliman ghafura, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latif, le khabir. Donc latif, halim, c'est des mots qui sont liés à des choses qui sont, comment on dit, discrètes, comme ça. Non. Innahu kana haliman ghafura. Et il pardonne. Il pardonne, pardonneur, pourquoi? Le pardon, il est lié au fait que nous, on ne voit pas certaines choses. Le fait que nous, on ne voit pas certaines choses, c'est ça qui est cohérent, enfin, c'est ça qui justifie, entre guillemets, le fait qu'Allah Azzawajal soit pardonneur. Parce qu'on ne voit pas. Mais par contre, si par exemple ceux qui veulent avoir des caches, voir des choses, par contre, attention, si maintenant tu vois quelque chose, Allah te montre des choses, un peu d'invisible, après ça, il n'y a plus de pardon pour toi. D'accord? C'est pour ça que Sheikh Yousri, une fois, en fait, il avait l'occasion, on lui a dit que celui qui. Alors, si vous y croyez pas, ça c'est votre problème. Moi, je parle pour ceux qui. Je parle pour. Je suis pas là pour convaincre les gens, mais c'est pour comprendre. Il était à Médine et il était très fatigué. Il a vu en rêve que celui qui va ouvrir la porte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibrahim alayhi salam. Yani à l'état d'éveil comme ça. Mais lui, il a préféré pas aller. Il a dit, moi, je suis encore dans mes études de médecine. Si je vais pour voir Ibrahim alayhi salam à l'état d'éveil, ça y est, je vais tout laisser. Je vais rentrer, je vais vraiment me concentrer à l'adoration. Je ne vais plus chercher à travailler, etc. Et moi, je ne veux pas ça. Et en plus, si tu vois ces choses-là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Il a dit, moi, pardon, je préfère rester. Et il avait expliqué ça. Donc ça, pour comprendre que même nous, quand on est soufi, on n'est pas là pour. Ce n'est pas un but en soi de voir des choses. De voir des choses, de voir le prophète à l'état d'éveil, de voir des lumières, etc. Ce n'est pas le but. Non. Et des fois, comme il a dit. Dans yani, Sahib Risala Kushairiya, des fois tu vois des lumières, tu vois des choses, mais en fait c'est dans ton esprit, c'est pas réel. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Bref, on reprend. Donc il y a une vie dans tout ce que, parce que c'est El-Hayy qui les a créés. Qui a créé les pierres? Qui a créé les arbres? Qui a créé toutes ces choses? El-Hayy. Donc si ça a été créé par El-Hayy, automatiquement il y a El-Hayat. Et tous les attributs qu'on a en nous, Sam'a ou Al-Basar, c'est parce qu'on a été créé par Al-Basir, donc on a la vision. Par Al-Samir, donc on entend. Al-Hayy, donc on est vivant. D'accord? On continue. Et subhanallah, le Cheikh Yousri, dans son livre, Futuhat, son livre d'explication de Kharida, il a. Lui compris ce Ishkel, parce que même Cheikh Jamal Farouk Dakkak, il avait écrit un commentaire, il a dit non, je reviens sur ce commentaire-là, tu vois, il avait écrit un truc, je sais plus c'est quoi, mais il a dit non, ça, finalement, je reviens sur ça. Et Cheikh Yousri, lui, et en fait, il a bien compris cette chose-là, parce qu'il a dit, quand il parlait du ilm, si Allah voulait mettre notre ruh dans une pierre, ben Allah, il sait comment est réalité notre vie. Donc, ça veut dire qu'il a dit que c'est possible qu'Allah mette la vie dans notre ruh dans une pierre. D'accord? Que nous, on soit une pierre. D'accord?
et que ben, on a une vie où on a les perceptions qu'Allah nous permet d'avoir en tant que pierre. Donc voilà. Ensuite, Aïwa, ça on a dit. Naam. Laïsat Ma'douma, non, ça on a dit. Aïwa, c'est ça. Donc là, je lis mes notes, j'ai tout dit. Naam. Voilà, j'ai tout dit. Donc là, je vais vous lire. Ouais. Ah, purée, je suis pas concentré, j'ai même pas enregistré un. C'est pas grave. Hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dit, même ça aussi? Il n'y a pas grand-chose, on va lire. Alors, Ya'ani, donc, wal hayat sifatun. يصح ممن قامت به الإدراك نعم يعني أن الحياة ليست من الصفات المتعلقة donc l'attribut de la vie n'est rattaché à aucun autre attribut. On avait vu que القدرة elle est liée au مقدور, il est capable sur telle chose. Le علم il est lié au معلوم, la science d'Allah est liée à tout autant de choses qui sont connaissables innombrables, mais le ilm d'Allah, il est un seul et il ne se renouvelle pas. D'accord? Mais l'attribut de Hayat, elle est liée à rien. Il est vivant, c'est tout. Ce n'est pas la vie, elle est liée à quelque chose. Non, il est vivant, c'est tout. Les muta'alliqat, si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il vous plaît, dites-moi, d'accord? Mais il faut juste savoir que Hayat n'a pas de muta'alliq. Non. وَهِيَ مَا يَقْتَضِي لِذَاتِهِ زَائِدًا عَلَى الْقِيَامِ بِمَحَلِّهِ. Donc, muta'alliq, le fait qu'un attribut soit lié à quelque chose, comme je viens d'expliquer, c'est yaqtadi li dhatihi za'idan 'ala al-qiyam bi mahalli. Donc, le muta'alliq, c'est non seulement il y a l'attribut qui est donc fi mahal, qui est en Allah Azza wa Jal, et qui est lié avec quelque chose d'autre parmi les créatures. Donc, on prend l'exemple de l'Qudra. Allah, il est capable, il donne la vie à un tel, ou il donne la mort à un tel. Donc, l'attribut de puissance, de omnipotence, est lié à cet être humain à qui il va donner la vie ou donner la mort ou à n'importe quelle créature. J'espère que vous avez compris. Tal qudra, fa innaha taqtadi za'idan ala al-qiyam bimahalliha, wa huwa al-maqdur, alladhi yata'adda biha, ijaduhu wa i'damuhu. C'est ce que je viens de dire. Donc, la qudra, par exemple, elle est liée avec cette chose sur laquelle s'applique la puissance. Soit il l'a fait exister ou il l'a fait passer dans le néant. Dans le néant. وَالْإِرَادَ تَقْتَضِي لِذَاتِهَا مُرَادًا يَتَخَصَّصُ بِهَا. Et l'attribut de volonté, on a dit l'attribut de volonté précise l'attribut de Qudra. La Qudra d'Allah ne s'applique pas à tout et n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire que Allah, si Allah nous décide de nous laisser vivre jusqu'à 80 ans ou 100 ans, donc ça veut dire que la volonté de nous faire mourir n'est pas encore venue, d'accord? Mais donc la volonté, on pourrait dire limite et précise la qudra d'Allah Azza wa Jalla. Mais Allah fait sa volonté, personne ne s'oppose à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal ilmu yaqtadi ma'louman yankashifu bihi. Et la science, ben, ça implique qu'il y a une chose connue. Donc, quand est-ce qu'un tel va naître, quand est-ce qu'un tel va mourir, combien il y a d'êtres humains sur Terre, combien il y a de djinns, combien il y a d'animaux, combien il y a de gouttes d'eau dans la mer, combien de feuilles dans les arbres, combien. Donc, il y a des milliards de choses à connaître, mais le connaissant est unique et l'attribut d'Allah est unique. Wal-kalam yaqtadi ma'anan yadullu alayh. L'attribut de parole, ça implique un sens qui est dit par cette parole. Et on va parler de l'attribut de parole. De Allah Azza wa Jal parle, donc il y a le kalam, mais il y a ce qu'on appelle al-dal ou al-madloul. Al-madloul, c'est la parole. Par exemple, je te dis, Zayd est debout. Cette phrase-là, c'est al-madloul. C'est la phrase qui est dite. Et Ad-Dal, ben c'est la parole en elle-même. Donc, on va voir que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est créée
pas la parole, mais le Coran, on va dire. Le Coran, la Torah, la Bible, etc., sont créés, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est incréée, elle est, elle a pas de début, elle est, etc., comme on va voir, quand on va parler d'attributs de parole, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais Al-Muhim, ici, ce qui nous intéresse, c'est que la parole est liée avec un sens. Naam. Et l'ouïe implique une chose qui est entendue. Et la vue implique quelque chose qui est visible. Mais la vie n'est appliquée, ne se rattache à rien. Allah est le vivant, sans commencement, sans fin, et une vie qui est... qui n'a de point commun avec la nôtre que le nom. Allah est vivant, nous sommes vivants. Le seul point commun, c'est le mot vivant. Mais en réalité, on n'a aucune vie réelle. Tout simplement parce que nous, on vit, on n'a pas une vie qui est juxtaposée à celle d'Allah, mais on vit par Allah. Nahya bil, laysa ma Allah. Nahya billah. Et retenez bien ce verset. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Qa'imun. Qa'imun, c'est qayyum. Qayyum, c'est sira mubalagha. Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum. On aurait pu dire en dehors du Coran al-hayy al-qa'im. Al-qa'im. Mais quand tu dis qayyum, ça veut dire qu'il est il fait tenir de manière répétitive, permanente et complète. D'accord? C'est ça, al-qa'im, celui qui fait tenir les choses. Toute chose, kullu shay'in qa'imun bihi, toute chose tient par Allah azawajal. Et Allah tient par lui-même. D'accord? Wa innama hiya sifatun musahihatun lil idrak. Et on dit que la vie, c'est un attribut qui permet tous les autres attributs de perception, de vision, tous les autres attributs. D'accord? Imana annaha. C'est un attribut, donc on a vu que tout ça, bon, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent en fait, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un shart. Un shart, yalzamu min wujudihi l'wujud, wala yalzamu min adamihi, adaman wala wujud. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Une condition, si elle est là, donc il y a la condition. Mais si elle n'est pas là, ça n'implique rien. D'accord? Donc la vie, c'est shartun aqli. Idan yalzamu min adamiha adamul idrak. Donc s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de perception. Wala yalzamu min wujudihi, le contraire. Wujud el idrak, wala adama. Wala adamu. Donc c'est pas parce que y a la vie qui est l'idrak. C'est ça un shartun aqli. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es vivant. On a dit la vie, c'est la condition pour pouvoir entendre, voir et percevoir. Mais ce n'est pas parce que tu as la vie que tu perçois. On a dit tu peux être vivant, mais tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne parles pas, tu n'as pas ta raison. Tu es, comme on pourrait dire, un légume qui reste sur place. Et ça va nous permettre de répondre, comment on pourrait dire, à l'égarement des Wahhabout-Taymis par rapport à l'attribut de la vie. Parce que quelqu'un qui est vivant, eux, ils te disent, mais quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui bouge. Tu ne peux pas être vivant et rester sur place. Parce que pour eux, rester sur place, c'est voilà, comme un légume. Donc, quelqu'un qui est sur place, qui ne bouge pas, bah, il n'est pas vraiment vivant. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on a terminé ici. Donc, là, on a fini avec. Ce qu'il a dit, l'imam Sanoussi, au niveau de Sifat el-Hayat. Maintenant, j'ai pris des notes de ce qu'a dit. J'ai pris des notes. Bismillah, alhamdulillah, wa salat, wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi. وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc on est à presque à une heure, donc je vais conclure inshallah. Ici c'est docteur Abdelkader qui explique
Inch'Allah, de manière très concise. Il a une vidéo de 10 minutes où il explique Sifatul Hayat wa Tashribat al-Hashwiya, genre le chahutage des Hashwiya, des Wahhab al-Taymis par rapport aux attributs de Hayat. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à Hayat? Il dit, donc on va se répéter un tout petit peu, mais il dit que Al-Hayat, donc Sifat Ma'ani, on répète, ce sont Sifat Thubutiya, on pourrait dire des Sifat affirmatives, d'accord, qui sont opposées aux Sifat Salbiya, qui sont des sifat, des attributs négatifs en fait, des attributs que on n'attribue pas à Allah. Il y a cinq sifat salbiyya. Donc Allah n'a pas d'associé, Allah n'a pas de début, Allah n'a pas de fin, Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit parmi ses créatures et Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Donc les cinq sifat salbiyya. Ça, c'est les choses qu'on n'attribue pas à Allah azawajal. Et les attributs thubutiyya, ma'ani, ils sont au nombre de sept. On dit sept parce que pour apprendre, mais en vérité, les attributs d'Allah n'ont pas de limite. Donc, ceux qui disent, ah, les Asha'ira ne croient que en sept attributs, c'est du mensonge ou de l'ignorance, ou les deux. D'accord? Donc, ça nous fait là 5 plus 7. Donc, ça fait 12. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit il y a 12, 13 attributs si on rajoute l'idrak ou si on rajoute Sifat Nafsiya. Et c'est pour ça qu'on parle de 13 attributs chez les Ash'ariyya. Mais ça, c'est juste pour apprendre. C'est juste pour. On résume les choses pour que ça reste dans la tête. D'accord? Donc, il nous précise que les sifat ma'ani, c'est vrai, c'est des choses que nous aussi, on a. Nous aussi, on entend. Nous aussi, on voit. Nous aussi, on est vivant. Nous aussi, on a du ilm. Nous aussi, on parle, etc. Mais ces attributs-là, le point commun entre nous, entre Allah Azzawajal et nous, c'est que le nom. Et on a dit plus précisément le point commun, la différence, c'est trois choses fondamentales. C'est que Allah, il a ces attributs-là de manière de toute éternité. Allah, il voit, il entend sans commencement à sa vue et à son entente. Donc, la vue d'Allah, on va voir qu'elle s'applique sur lui-même. Quand il n'y avait rien à part lui, ben, il voyait lui-même, parce qu'il se voyait lui-même. D'accord? Yara, même s'il n'y avait pas de créature. Donc, premièrement, de toute éternité. Deuxièmement, pour Allah Azzawajal, c'est des attributs obligatoires. Nous, c'est des attributs, comment on dit, éventuels. On peut voir comme ne pas voir. Ce n'est pas obligé pour un être humain d'être voyant. Ce n'est pas obligé. Pour Allah Azzawajal, c'est obligé. D'accord? Et troisièmement, c'est les attributs d'Allah, taqumu bi nafsihi. Ils tiennent par lui-même. D'accord? Alors que nous, c'est des attributs qui tiennent par Allah. Même quand on voit par Allah. Lorsqu'on entend, on entend par Allah. Et lorsqu'on parle, on parle par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, c'est les trois différences fondamentales. Donc, voilà. Ensuite, il nous dit, donc c'est ce qu'on appelle mushtarak lafzi. C'est juste une ressemblance juste par les mots. D'accord? Parce que notre vie, elle est ce qu'on appelle mustamidda. Mustamidda. Notre vie, elle est, on la reçoit d'Allah Azzawajal. On la reçoit. Et dès que le madad termine, eh bien, on n'a plus de vie. Et en réalité, comme il explique souvent Cheikh Yousri et les ulama, c'est que vous voyez là, on est vivant, on est là en face. D'accord? Mais en réalité, c'est comme l'électricité. Hein, Allah aujadana, Allah nous a créés, wayumidduna, ce qu'on appelle el-ijad ou el-imdad, c'est-à-dire qu'on a été créés, de un, mais de deux, il pourvoit, il nous maintient en vie en fait. Il nous crée, c'est une chose, mais il faut qu'il nous maintienne en vie à chaque instant. À chaque instant, on a besoin du madad d'Allah Azzawajal. Et il a donné l'exemple, c'est comme si en fait, on est vivant et mort à chaque instant. Ce n'est pas de la philosophie, c'est qu'on est vivant et mort à chaque instant. C'est qu'à chaque instant, on a un souffle de vie qui s'applique à nous. Et on a donné l'exemple, c'est comme si tu prends vous savez, tu prends un fil avec une boule au bout et tu tournes. Ouais, tu fais comme un ventilateur, c'est un bon exemple. Vous voyez les hélices d'un ventilateur ou d'une jante, d'une voiture, bah, à bout d'un moment, tellement ça tourne, bah, tu vois plus les hélices, tu vois que quelque chose de une masse uniforme, d'accord? Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'interruption.
Alors que si. Alors qu'en vérité, notre vie, à chaque fois, Allah nous donne de la vie. D'accord? Et en plus, comme on le sait, beaucoup de gens doivent le savoir, la peau qu'on a ici, là, que vous voyez, ce n'était pas la même il y a une semaine. D'accord? Et à chaque fois, nos poils se renouvellent, ça tombe, ça reprend, etc., etc. Donc en fait, on se renouvelle, on se ressuscite en fait à chaque moment. D'accord? Donc voilà, c'est mustamidda, ajiza, etc. Notre vie, quoi, tous nos attributs, c'est sous le même principe. C'est lui qui avait donné l'exemple de l'ombre. D'accord? Nos attributs, ils sont comme une ombre. C'est la différence entre nos attributs à nous et les attributs d'Allah, c'est comme l'ombre par rapport à la chose. D'accord? C'est comme une ombre. L'ombre existe, mais elle n'existe que par rapport à l'objet. Mais on avait dit, on a cité le verset tout à l'heure, que même cette ombre-là, c'est Allah qui l'a créée. Et vous voulez que je vous dise une chose? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'ombre. Wallah, il n'avait pas d'ombre. Pourquoi, vous me direz? Pourquoi? Li'annahu nour. Nour. Et la lumière sur la lumière, ça ne fait pas d'ombre. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre que même l'ombre là, qu'on croit que c'est des choses physiques, c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça, ben même ça, c'est sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, donc selon sa définition, sifatun tasihu mimman qamat bihi al-irada wal-qudra. Donc, il n'a pas mis l'idrak, parce que l'idrak, il y en a qui ont reproché à l'imam Sanoussi d'avoir mis l'idrak dans sa définition. Donc, d'autres, ils vont dire à la place de l'idrak, ils vont dire al-irada wal-quwa. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'attribut de la vie, il n'y aurait pas d'omnipotence ni de volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, maintenant, on arrive à ce qu'ils nous disent les wahhabos taïmistes. Ils nous disent que, faut voir, hein, allez vérifier par vous-même. Quand ils définissent l'attribut de Hayat, qu'est-ce qu'ils vont dire comme définition? Ils vont dire, c'est un attribut, yani, tusahihu, nous on dit tusahihu, el-idrak, la perception, eux ils disent tusahihu, el-harakat, parce que eux ils font l'analogie avec les créatures. Tout être vivant est un être qui se déplace. Tout être vivant est un être qui se déplace. Les animaux, les lions, les chats, les êtres humains. Même les étoiles, la lune, le soleil, tout être vivant se déplace. Donc, si Allah est vivant, donc Allah Azzawajal se déplace. Donc, eux, pour pouvoir toujours alimenter et leur aqidah, de dire que Allah il descend au ciel de ce bas monde, et puis voilà, que Allah il est dans un endroit, etc., etc. Donc, ils mettent cette définition-là. Al-haraka bil-irada. Ils disent el-haraka bil-irada parce qu'il se déplace avec sa volonté. C'est-à-dire que pour se déplacer, il faut une volonté. Donc, comme il a une volonté, donc il se déplace, etc. Voilà ce qu'ils disent. El-intiqal, el-kalam fil-mahsousat, sahih fil-makhlouq. Cette parole, elle est valable pour les créatures. Cette valable, elle est parole pour les créatures. Mais pour le créateur, ce n'est pas valable. Non. On a parlé de la hayat. Shartun akli, l'idrak. La vie est une condition selon la logique pour avoir des perceptions. On a dit Shartun akli. D'accord? Mais le déplacement, c'est Shartun adi. C'est une condition selon l'habitude. Mais ça peut ne pas être. Ce n'est pas parce que tu es vivant que tu peux te déplacer. Il y a peut-être des animaux qui ne bougent pas. D'accord? Et puis tu peux être, il y a des êtres humains, ils sont vivants, ben, ils ne peuvent pas bouger. D'accord? Au niveau des êtres humains, d'accord? Donc, faut pas comparer. Est-ce que vous comprenez à peu près? Donc, talazum a dit, la akli. Non. Oui, c'est possible. Donc, un être vivant qui ne bouge pas, qui reste stable, qui est sakin. Al-haraka, parce que al-haraka wa sukun, le déplacement, rester sur place, al-ittisal, al-infisal. Le fait d'être séparé ou être attaché, tout ça, c'est relatif aux créatures. Non. Aïwa. Pareil, pour laisser un peu les wahhabotaïmistes de côté, si on parle des gens qui croient à la théorie de l'évolution, donc pareil, quand je dis que ceux qui sont plus à même de répondre
à ceux qui croient en à des théories de Darwin, etc., comme quoi l'être humain, il a évolué petit à petit, parce que quand ils parlent d'évolution, c'est parce qu'ils veulent mettre de côté, en fait, le fait que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc that al-mudrika. En fait, ce n'est pas une évolution, parce que qui dit évolution, ben, il faut avoir celui qui fait évoluer quelque chose. Même si, tu prends un téléphone et tu veux faire une nouvelle version plus performante, ben, il faut une personne qui a l'ilm, qui a le sam' ou le basar, et qui a le hikma, etc., qui va pouvoir faire évoluer cette chose-là. La chose ne va pas évoluer par elle-même. La Buddha min zat mudrika. Naam. Naam. Tathbutu bil'aql wa bil-naql aydan. Donc, l'attribut d'Allah Azzawajal de la vie, al-hayat, eh bien, on peut la trouver, la définir par le aql, avec la raison. D'accord? Parce que avec la raison, on détermine l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, cette divinité qu'on a réussi à déterminer par la raison, ben, la raison aussi nous impose de savoir que cette divinité-là a des attributs obligatoires. Subuti, affirmatif, et des attributs négatifs aussi. Donc, c'est obligatoirement que les cinq sifat salbiya ne s'appliquent pas à cette divinité qu'on a déterminée par l'oracle. Impossible que elle est un associé, impossible qu'elle ait un commencement, impossible qu'elle ait une fin, impossible qu'elle ait besoin de quoi que ce soit parmi ses créatures, et impossible qu'elle ressemble à quoi que ce soit parmi ses créatures. Celui qui a créé la poule ou l'être humain doit être différent en tout point de ce qu'elle a créé. D'accord? Et voilà. Et bien sûr, les textes nous confirment cet attribut de l'hayy, al-hayy. Al-Qayyum nous confirme cet attribut de Hayy, de que Allah Azzawajal est vivant, bien que par la raison, on savait que Allah Azzawajal est le vivant. Je voulais dire une dernière chose. Oui, voilà. Quand on dit ces attributs obligatoires, donc on est arrivé au nombre de 13, donc les sifat salbiyat 5, les sifat ma'ani 7, d'accord? Ensuite, il y a tout ce qui est le contraire aussi, qui n'est pas possible. Tout le reste, tout ça, c'est obligatoire à nous de croire au niveau de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qui est les créatures, c'est pas obligatoire, c'est possible. Et les possibilités, elles sont au nombre de 6, comme on avait déjà vu. D'accord? Si je me souviens de tout, ces possibilités, qui sont des obligations et qui ne peuvent pas être attribuées à Allah Azzawajal, c'est el-Ijad ou al-Adam. Nous, chaque créature peut potentiellement exister et mourir. C'est possible, tu vois. Je sais plus, à chaque fois j'oublie comment il dit Derdir. Mais en gros, tout ce qui peut exister ou ne pas exister, eh ben, c'est Jaiz. Donc ça, c'est un. De deux, le Maqadir. Ce qui est possible, c'est qu'on te détermine des proportions, grand, petit, le poids, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Troisièmement, le temps. Toutes les créatures sont déterminées dans un temps. On a un début. Bon, nos âmes n'ont pas de fin parce que Allah Azzawajal a décrété qu'on n'aura pas de fin, on est au paradis éternellement. Mais sinon, on a un début. D'accord? Le temps, l'endroit. Donc, on est obligatoirement dans un endroit, on a besoin d'être dans un endroit. Or, Allah Azzawajal, il n'a pas besoin d'être dans un endroit. Ça fait quatre. Et puis, bon, ben, j'ai oublié les autres. Je vais vous dire tout de suite là. Je vais vous trouver ça tout de suite. On avait vu par rapport au Mumkinat. C'était comme Ma'ani Azaliya. Voilà, c'est ça. On avait vu dans la sixième introduction, Wal Mumkinat, Wal Mutaqabilat, Sitta. El Wujud Wal Adam. On a dit El Maqadir, les proportions, grand, petit, le poids. El Sifat aussi. Sifat, ça veut dire en fait Allah détermine nos attributs. On peut être voyant ou non-voyant, entendant ou non-entendant, mais c'est pour nous en fait, ça s'appelle des a'rad, comme on a dit.
C'est des attributs qu'Allah nous détermine. Wal azmina, le temps. Wal amkina, les endroits. Wal jihad, et les directions. Et donc, Allah Azzawajal ne dépend pas de tout ça. D'accord? Donc, on a fini avec l'attribut de la vie. Vous avez vu, on a fait plus qu'une heure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses que normalement, voilà, on doit retenir. Normalement, on étudie ça sérieusement. On retient, on mémorise. Normalement, je vous donne des devoirs. Voilà, vous devez essayer de mémoriser les textes, de lire des choses en plus par rapport à ça, pour ceux que ça intéresse. Et comme on a dit, c'est ça qui nous permet de connaître Allah et d'être constant dans notre religiosité. Parce que, comme je disais hier, beaucoup de personnes, aujourd'hui j'ai 43 ans, ça fait 20 ans, on va dire que 20 ans, 21 ans que je suis dans la religion, mais beaucoup, beaucoup de notre profil, surtout nous qui avons grandi en Occident, etc., dans un milieu qui n'est pas vraiment le nôtre en tant que musulmans, beaucoup de gens sont tombés aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui soit ils sont sortis de l'islam, ce n'est pas une majorité quand même, mais soit ils sont sortis de l'islam, maintenant ils sont retournés à boire de l'alcool, à faire les grands péchés, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vit notre religion, mais sans vraiment en fait apprendre les bases de notre religion, connaître qui est Allah Azzawajal et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un point très important, et je vous laisse, que vraiment un point qui est très important à comprendre, c'est que nous, je répète, Allah Azzawajal ne nous doit absolument rien du tout. Si on n'a pas ça en tête, c'est ça à un moment donné qui peut nous faire lâcher ou qui peut nous faire. Il ne faut pas qu'on attende quelque chose, nous, par rapport à notre religiosité. Il ne faut pas qu'on attende quelque chose. Nous sommes des simples serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous doit rien. Et de savoir que toute chose, c'est Allah azawajal qui le permet. Bon, je sais, ça, vous le savez, mais il faut le savoir vraiment de manière très précise. C'est-à-dire que si on est musulman, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il ne faut pas croire que c'est par notre intelligence ou par quoi que ce soit. Donc, il faut bien être conscient que nous sommes dans le fadl d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit par rapport à l'ombre, même l'ombre, on croit que c'est un acquis, que c'est comme ça. Non, même ça, c'est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, nous, vraiment, et je répète, n'attendons, n'ayons pas une adoration de commerçants. Même si les versets du Coran nous appellent à avoir cette attitude de commerçant. Allah nous dit, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Voulez-vous que je vous propose un commerce qui va vous sauver d'un châtiment douloureux? Mais, stockage insuffisant. Oui. Ah, c'est obligé, ça. Mais j'ai abusé pourtant beaucoup de place hein, dans mon téléphone. Mais franchement, j'ai abusé de la place de mon téléphone. Pourtant, il y a beaucoup de gigas, mais là, il a dit, il n'y a plus de place. Bref, mais ce commerce, c'est quoi? Tu'minuna billahi wa rasoulih. C'est de croire en Allah et son prophète. C'est ça le commerce. Ce n'est pas tu fais et tu reçois. Ah, moi j'ai prié, je dois avoir ça. Non. Tu'minu billahi wa rasoulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. C'est toi qui donnes. C'est ça le commerce. Tu donnes tout. Tu donnes tout et bi'iznillah. Oui, c'est vrai. Yani, comme on apprend dans le soufisme, al-mujahada tourithu al-mushahada. La baisse. Yani, plus tu fais des efforts, et plus Allah va te permettre de voir clairement les choses. Même si on a dit le but, ce n'est pas de voir des choses. On doit croire, on ne doit pas être impressionné parce qu'on voit, tu as fait un rêve, tu as vu une lumière, etc. Non. On reste stable, on reste serein, on avance. Bi'iznillah. Et Allah Azzawajal, inshallah, va nous utiliser pour des grandes choses. Naam. Al-wirasa, al-wirasa al-nabawiyya, wal-khilafa, El Mohammediya, retenez bien ça.
l'héritage prophétique et la députation de la prophétie. L'héritage prophétique qui est le ilm et les actions qui vont avec, wa el wal khilafa al muhammadiyya, la députation, donc on remplace et on représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre, et c'est Allah azzawajal qui va nous utiliser. نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.